non, franchement, j'en revenais pas, j'étais choqué, j'étais très ému aussi parce que c'est beaucoup d'années de travail, de sacrifice et de voir qu'on y arrive enfin, c'est un soulagement en même temps, mais aussi on a envie de continuer parce qu'on n'est pas arrivé là pour rien. L'objectif à Paris, c'est de reproduire ce qu'on vient de réaliser, hein. Ce serait l'idéal de garder la médaille à la maison, donc ça va être qu'un très très bel événement, on s'entraîne pour, on va rien lâcher jusqu'au jeu et on espère garder l'or. Dès les premières années où je l'ai côtoyé, j'ai vu qu'il avait quelque chose en plus, vraiment. Il avait un talent, aussi une passion qui l'animait, qui ont fait que j'étais quasiment sûr qu'il allait réussir. À ce niveau-là, j'avoue que j'y pensais pas quand même. Je savais qu'il allait devenir professionnel, j'en étais sûr. Mais voilà, il crevait l'écran, clairement, hein, on le voyait tout petit. Ce qui en fait un bon skater, c'est que vraiment, en fait, il sait tout faire.